Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter la quatrième partie du secret de la map Moer d'Ertoten. Alors quand vous avez placé l'ogive entre les canistères, ce que vous allez devoir faire c'est d'aller à la planque et interagir avec l'ordinateur qui est en face de close. Donc interagissez plusieurs fois avec cet ordinateur jusqu'à temps qu'il vous dise que vous n'avez pas les codes requis pour contrôler le satellite. C'est à ce moment-là que Klaus va vous dire qu'il pourra vous aider si vous lui fabriquez un casque. Alors là, vous allez devoir trouver trois pièces pour fabriquer ce casque. Alors les trois emplacements de pièces, je vous les montre dans le gameplay. Il y a juste une pièce qui peut se trouver dans trois radios différentes. Mais de toute façon, je vous le montre dans le gameplay. Je vous ping les trois radios différentes. Et très important, apparemment les objets, vous ne pouvez les casser qu'avec l'arme spéciale. Donc je vous laisse le gameplay complet, comme ça vous voyez par où je passe. Et vous pouvez essayer de vous repérer par la carte et par le nom du lieu où je me trouve en haut à gauche de l'écran. Destination marquée. Je marque les coordonnées du repère. On se retrouve à mon repère. Cette tour était affreuse de toute façon. Donc quand vous avez récupéré les trois pièces, vous allez devoir retourner dans la planque et donner les pièces à Klaus. À ce moment-là, il va vous dire que vous pouvez accéder au satellite. Donc là, ce que vous devez faire, c'est interagir avec l'ordinateur qui se trouve dans la planque juste en face de Klaus. Mais attention avant d'activer le satellite, parce qu'en fait, près du pack-a-punch, il va y avoir un mégaton et deux zombies imitateurs qui vont spawn. Donc stuffez-vous pour être sûr de pouvoir les tuer facilement. Et je vous conseille d'attendre que je sorte l'étape numéro 5 du secret, parce que quand vous allez tuer les deux zombies imitateurs plus le mégaton, il va y avoir un chronomètre de 5 minutes, et si vous ne faites pas ce que vous devez faire dans les 5 minutes qui suivent, et bien vous allez mourir, donc ce sera fin de game. Donc attendez que je sorte la partie 5, ne vous tracassez pas, je me dépêche, je vais essayer d'être assez rapide. Donc j'espère que cette partie vous aura été utile et je vous dis à tout de suite pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. C'était Soikulmec et ciao, peace.